Bonjour, chers téléspectateurs de Genial. Notre reportage aujourd'hui sur une passion très importante. N'est-ce pas, Laura? Tu as raison, Mariam. Aujourd'hui, on va parler de notre passion préférée, la lecture. Qu'on soit petit ou grand, lire nous permet de nous construire. Notre cerveau a besoin d'être actif. La lecture est un excellent moyen pour augmenter des capacités de mémorisation et d'imagination. La lecture aussi développe l'esprit d'analyse et de critique. Chaque page nous aide à comprendre. Dis-moi, Maria, où vas-tu pour lire et quand? Je m'allais à la bibliothèque le vendredi et j'aime aussi lire à la maison. La lecture nous rend plus calme et diminue le stress. Vraiment, la lecture améliore votre expression orale, écrite, votre concentration, votre humeur et votre façon de penser. Si vous avez des problèmes à vous coucher, la lecture peut vous aider. Lire avant de se coucher apaise votre esprit et facilite le sommeil. Autrefois, chercher un livre était très difficile. Mais aujourd'hui, on peut trouver n'importe quel livre sur l'Internet. La lecture nous aide à s'exprimer clairement et d'avoir confiance en soi. Chers parents, les enfants d'une famille et accompagnés, vos enfants à la bibliothèque pour les encourager. Aidez vos enfants à considérer la lecture comme une source de plaisir. Finalement, si on pose la question, pourquoi on aime la lecture? C'est parce qu'en lisant, je peux m'évader, m'instruire et m'amuser. Je peux aussi rêver, fuir, rire et me voyager. Merci beaucoup, Rauda. Vraiment, j'ai bien profité. Au revoir. De rien, Maria. Merci à tous et à bientôt. La 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 la. On aime la lecture, on aime la lecture, les lettres et les mots, livres et magazines. On aime la lecture, on aime la lecture, les lettres et les mots, livres et magazines.